J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle visite d'île sur Animal Crossing New Horizons. Et aujourd'hui, je pense qu'on est sur une île lapin, parce qu'il y a une tête de lapin sur la carte de l'île et sur le drapeau. Bref, si vous me découvrez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like. Je pense que l'île va être très très belle, je sais pas du tout à quoi elle ressemble, je n'ai vu aucune photo. Je suis juste tombée sur la carte de l'île que je trouvais super belle, qui a été fait par un designer et franchement par un graphiste, et franchement je pense que ça va être cool, et surtout je pense que c'est une île lapin et ça s'appelle Cottontail. Et bref, on découvre tout de suite comme d'hab la carte ensemble. Je crois de visiter l'île et je pense qu'elle n'est pas tout à fait finie, il doit manquer des petites choses parce que très rapidement j'ai vu passer des petites annonces sur Instagram. Je vous mettrai évidemment l'Instagram de la créatrice, ou c'est une créatrice je crois, créatrice de l'île. Donc n'hésitez pas non plus à aller la follow sur Instagram. Effectivement, nous sommes sur une île avec que des lapinous. Oh, c'est beaucoup trop cute. C'est trop, trop cute. Vous avez le code onérique comme d'hab. N'hésitez surtout pas à aller revisiter l'île de vous-même. On n'a pas du tout la même vision. Et on est chez Infinity. Ouais, chez Infinity, c'est très 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 mimi. Et on a Doc, il y a Sylvette, il y a la belle Clara, il y a Grignotte, il y a Sivet, il y a Alix, il y a Nadine et Christine, il y a Dorothée et il y a Épicure. Bon, la carte de l'île, je pense que c'est un peu naturel, féerique, je dirais naturel, féerique. En tout cas, la carte, elle est très très belle. Moi, j'aime beaucoup, 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 beaucoup les cartes comme ça, avec pas mal de romodiles et tout. Et le fait qu'il y ait plein d'endroits comme ça avec de l'eau, je trouve que ça rend grave super bien sur la carte. Et du coup, et ben c'est parti, hein. C'est parti pour cette petite visite. Regardez, on a déjà un petit lapin juste ici, là. Ça, c'est un objet, je crois, du nouvel an. Il y a plein de petits paquets juste par ici. J'adore déjà les motifs. On va tout récupérer et on découvre évidemment, comme d'habitude, ensemble qu'est-ce qui se trouve dans... Il y en a beaucoup! Il y en a vraiment beaucoup, c'est énorme! Il y avait des petits paquets... il y a des petits paquets beige, des petits paquets roses, mais c'est trop cute, regardez ça! Oh là là, des petits lapinous partout! J'adore, je trouve ça une trop bonne idée de faire des îles comme ça avec que des chats, que des lapinous, que des ours ou que des oursons. Je trouve ça trop 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 mimi, ou que des petits écureuils aussi, c'est très sympa. Genre pour l'automne, ça pourrait être cool, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, bref, voilà, et c'est bientôt la rentrée. Ah là là, est-ce que vous avez hâte ou pas? Je vous l'ai déjà demandé sur un let's play précédent, mais là on est sur une visite d'île. Je sais pas si les mêmes personnes regardent toutes les vidéos. Il y a plein de nourriture là, dis donc. Ah là là, il y a des glaces, les glaces, vous savez que je suis très très... Oh, des petites carottes, oh c'est trop mimi. C'est trop mimi, on est sur une île de lapin. Évidemment qu'on a des carottes, une cagoule lapin. Oh là là, je veux la outfit. Oh, il est rose en plus, ah oh, magnifique. Magnifique, oh je suis trop contente. Je suis trop contente parce que je vous avoue que je me suis fiée uniquement à la carte faite par le ou la graphiste. Et franchement, la carte, elle est super belle. Franchement, si je vous retrouve la créatrice de la carte, je vous mettrai, peut-être que je sais pas si je vais utiliser la carte de l'île. Je sais pas si j'ai le droit de faire ça, d'utiliser la carte faite par la graphiste. Je pense pas. Vraiment, je ne pense pas. Donc je vais peut-être pas faire ça. Mais en tout cas, la carte est magnifique. Si vous avez envie de voir à quoi ressemble cette carte, eh ben, n'hésitez pas à aller sur son Instagram. Franchement, elle est trop belle. Elle est vraiment trop trop jolie. Elle fait très kawaii, hyper cute. Trop mimi, quoi. Trop trop, tout ce qu'on adore évidemment ici. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai vu qu'on avait des petites choses. Une robe, grand à carreaux, non. Une paire de sandales confortables, je sais pas, peut-être que c'est assorti. Ouais, cagoule de lapin, mais on en a déjà la rose, donc en vrai c'est cool. On n'a pas la combi de lapin, genre. Ah si, t-shirt lapin. Ah non. Oh, trop dommage, c'est que la cagoule. Short sobre. Ouais, c'est mimi quand même, hein. C'est grave mimi. C'est quoi les autres chaussures? Des escarpins Kiki et Lala. Oh là là, je me souviens, elles sont trop cute. Oh, on va garder ça. Et vous savez quoi? Je pense qu'on va garder la couche culotte.
Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que la couche culotte sera beaucoup plus... On enlève. Oh, ma couche culotte, elle est où? Elle est en haut? Elle est là? Ah, yes! Ah ouais, je pense que c'est plus mims avec, avec ça. Et on va s'occuper des petits lance-bulles! Voilà, regardez-moi ça, mais c'est trop mimi! J'aime trop son petit outfit. Bon, allez, c'est parti pour la visite. Moi, j'aime bien. Oh là là là, mais c'est trop cute. Oh! Waouh! C'est trop mimi. C'est exactement le genre de déco que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment. Et, waouh, c'est trop cute. Avec les petits lapins comme ça partout. J'imagine que là... Ah non, j'allais dire c'est Dodo Airline. Pas du tout. Dodo Airline, il est totalement de l'autre côté. Ah, j'ai trop envie de voir là. C'est trop beau là, ici. Oh, regardez le petit camion, le petit glacier, le petit camion à glace. Juste ici avec les gyros, c'est une bonne idée d'avoir mis les petits gyroïdes, ça rend super bien. Oh, regardez ça, oh, c'est trop mimi, les couleurs, j'aime trop. Oh, ah ouais, les couleurs, c'est hyper kawaii, cette... Oh, trop mignon, c'est très 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 mignon et on peut même se faire un petit... Tadam! C'est trop cute! Je suis une glace! Ah là là, c'est très mignon. J'adore. Et c'est une super bonne idée d'avoir mis des gyroïdes comme ça. Oh, je sais pas ce que vous en pensez, j'aime trop. C'est trop cute. Et on arrive à Dodo Airline, c'est bloqué ici. Je peux pas passer. Ah zut, on va être obligé de faire le tour? Non. Ah ouais! C'est quoi qui bloque? J'arrive pas à voir qu'est-ce que c'est qui bloque. Attendez voir. Ah oui, c'est un ballon schistosega. Bon, et bon, c'est pas très grave. On va faire le tour en mode rapide, comme ça. Est-ce qu'il y a moyen de couper par ici? Ah, oh, c'est trop mignon ici aussi, regardez ça. Waouh! Oh, trop mimi aussi. Ah là là, et les petits lapins partout, franchement, c'est trop, trop, trop joli. Et alors, il y a une espèce de thème de couleur. Très pastel. Waouh, j'adore. C'est super cute. Ça fait une petite ambiance un peu kitcore. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, j'ai l'impression que ça fait quand même une petite ambiance un peu kitcore, mais kawaii. On va dire que c'est kawaii kitcore. Kawaii kitcore naturel, parce qu'elle fait très naturel quand même l'île, et j'adore le panneau quand on arrive, trop mignon. Le Dodo Airline qui est orange, ok. Les petites pêches comme ça, les petits pêchiers. Les pêchers? Pêchers ou pêchiers? Non, les pêchers on dit, hein, je pense. Ah oh là là, n'importe quoi, je me pose des questions des fois, franchement, je vous assure, c'est nimpe. Bref, waouh, il y a un arc-en-ciel, regardez, oh là là, c'est joli, ça va trop bien. Et j'aime bien le fait qu'il pleut, en fait, à cette heure-ci, et qu'il y ait grand soleil. Je trouve que ça rend super bien au niveau de l'ambiance. Et je ne sais pas du tout si les maisons des habitants ont été décorées, mais on va aller découvrir ça tout de suite. Ah non, on est chez Christine. On est chez Christine et ça n'a pas été décoré. Bon, c'est pas grave. Oh, elle est trop belle. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas vue. Oh là là, regardez-moi ça. Oh, elle est trop cute et elle va hyper bien, évidemment, avec le thème de l'île. Allez, salut! Bon, du coup, les maisons des habitants n'ont pas été décorées. Je pense qu'elle avait fait une liste. Je suis tombée sur une espèce de liste qui disait qu'est-ce qu'elle avait fait, qu'est-ce qu'elle n'avait pas fait sur l'île. Et j'ai trouvé que c'était génial d'annoncer comme ça et ben, sur son Instagram qu'est-ce qui avait été fait ou pas. Et franchement, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment top. Comme ça, au moins, t'as pas de surprise. Et évidemment, j'ai pas tout lu. Donc, voilà. Bon, vous savez, j'aime bien, moi, aller faire des visites un peu freestyle. Et franchement, en vrai... Je suis pas déçue, comme ça au moins vraiment je découvre avec vous l'île au moment de la vidéo et bah, s'il n'y a pas tout qui est décoré, et bon en vrai c'est pas très grave. Par contre me semble-t-il que j'ai vu qu'il y avait peut-être la pièce principale, les pièces principaux de sa maison étaient décorées. Bon, le musée en mode tente, c'est une dinguerie. Franchement, ça claque et je pense que ma prochaine île sera sans mairie avec certainement la tente aussi de Thibaut comme ça. Parce que franchement, je trouve que ça claque, ça rend trop, 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 trop bien. Ça rend vraiment bien, ça apporte vraiment quelque chose en niveau déco. Vraiment, je trouve que ouais, ça apporte un truc, un petit truc en plus quoi. Ok, on va arriver juste ici, la boutique des petits choubidous d'amour, évidemment, qui n'a pas évolué non plus. Et franchement, ça claque aussi. J'aime bien ce petit bar là. Oh,
espèce de petit comptoir avec les bouteilles et tout. Franchement, ça rend grave super bien. En tout cas, l'île est très jolie et franchement super agréable à se balader et à visiter. Ici, on a les mises doigts de fée et devant les mises doigts de fée, et ben, si tu as envie de te boire un petit thé, eh bien tu peux avec la belle vaisselle comme ça que j'adore de ouf. J'aime bien les motifs aussi qui ont été utilisés. Bon, bah voilà, très, très, très naturel. Ici, tu as un petit atelier de couture avec le métier à tisser et puis des petites choses de couture et puis des petits vêtements, des petits vêtements et tout ça. Très, très mimes. Trop joli. Franchement, petit coin hyper cute ici et plein de carottes partout. Regardez-moi ça, un champ de carottes et ça lui grignote. Waouh, avec le moulin comme ça avant. Très joli également. Et puis, bon, on est toujours sur ce thème très pastel. Les fleurs, tout est vraiment, vraiment sur un thème un peu pastel. Et c'est super, super joli. Et ça va très, très bien avec les motifs un peu beige et brun. Franchement, ça claque. Ici, on a un petit stand. Si tu as envie de te louer une planche de surf, eh bien, tu peux également. Et ici, eh bien, je pense que c'est une espèce de pâtisserie. Ça s'appelle Berries. Je sais pas. C'est des fraises, non c'est pas des fraises, c'est des baies. Je sais pas ce que ça veut dire berry, c'est quoi comme comme fruit. C'est des fruits rouges, mais bon, je sais pas trop. Ouais. Ah, blackberry. Il y a ah, c'est des groseilles. Non, c'est pas des groseilles, c'est des myrtilles. Non. Ouais, c'est quelque chose comme ça. N'hésitez pas à me dire ceux qui savent hein, dans les commentaires. On pouvait pas aller plus loin, j'ai pas halluciné parce que j'étais en train de vous blablater, mais en vrai là, on pouvait pas... Ah si. On peut passer par là, mais par contre... Ah oui, non, c'est fermé. Donc on peut... Ah si, on peut traverser. Oh, génial. Oh, j'adore les îles où tu peux passer comme ça et tout. Je trouve ça trop cool. Bah, il y a des petits stands comme ça sur la plage avec le carrousel, le truc de canard. Ouais, la petite grande roue. Trop mignon. Et en haut, évidemment, si tu as envie de te manger une glace et te prendre un granité... Eh bien, tu peux aussi, très, très, très cute, ce petit coin de plage. Plage plutôt chargée en déco, mais très jolie, j'aime bien aussi. J'aime bien. Ici, on arrive devant chez un habitant. On ne peut pas passer par ici. Hop, on va faire le tour. Une espèce de petite pâtisserie. En tout cas, pareil, toujours très mignon. Et c'est tous ces petits lapinous là qui sont partout. Franchement, c'est trop, trop mimes. Les maisons... Les extérieurs de maison des habitants, super cute, hyper assortis, évidemment, au thème de l'île. En vrai, ah si, on est en train de faire tout le côté gauche de l'île, et ça, c'est plutôt cool. J'aime bien quand on situe bien. Oh, regardez la belle Clara. Oh, salut toi, quelle beauté, cette habitante. Vraiment, elle est trop jolie, quoi. Trop, trop, trop jolie. Elle me manque, hein, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Eh ben, je ne sais pas si elle est toujours sur Shibimoon. Non, mais elle n'est pas sur Shibimoon. Elle était sur l'ancien Shibimoon. Elle était sur Shibi tout court. C'est ça. Elle était sur Shibi et franchement, elle me manque. Elle est trop jolie. Vraiment. J'en ai éclaté une fleur. Mais bref, on s'en fiche. Ici, on a une espèce de... Ah, c'est une librairie. Ok. Et ben, t'as le camion carrément qui vient livrer les livres. Ok, excellent. Et ici... Waouh. Tu peux te poser ici. Petite cafétéria, petit salon de thé de plein air. Très, très, très mignon également. Et alors attendez, sur le côté ici où il y avait vert clair. Oh attendez, c'est quoi ce motif là? Ah, c'est une souche géante d'arbres. Waouh, sympa. Oh, j'aime bien, il rend super bien le motif. Très très beau. Très joli. Hop, on continue par ici. Je ne sais pas si on ne pouvait pas descendre. Ah non, c'était peut-être là-bas. Mais on s'en fiche en fait, on ne veut pas. Ah oui, voilà. On a un accès ici où tu peux descendre, mais on a déjà visité par là. Et autrement, tu prends par ici. Soit tu redescends. Alors attendez, on regarde les options. Waouh! Attendez, c'est quoi ce petit coin là? Oh, c'est un petit coin. J'adore ce genre de petit coin. Très, très cute. Regardez-moi ça. Oh, genre, tu peux te poser ici. Ah oh là là, regardez avec l'arc-en-ciel, c'est trop joli. C'est très, très, très joli. Tu peux même monter avec la vigne géante là sur le côté. En tout cas, c'est canon. J'aime bien ce petit coin là. Tu peux l'y bouquiner. Bon, je voulais essayer de passer, mais j'y arrive pas. On s'en fiche. Donc, on peut redescendre et on arrive du coup sur le côté de la place ici. Ok. Donc là réellement on a quasiment fait tout le côté, bon non on n'a pas quasiment, on a fait tout le côté gauche de l'île. Là il y a une maison
d'un habitant juste ici. Petit coin trop cute avec pas mal d'objets de la fête des œufs. Évidemment, sur une île lapin, ça va super bien. Ce 4 quarts, je sais pas si vous donne envie. Moi, j'adore le 4 quarts. Qui c'est qui aime les 4 quarts? Non, je kiffe de ouf les 4 quarts. Oh, est-ce qu'on se tente quand même? Je couperai au montage si jamais la déco n'a pas été faite. Peut-être qu'elle a fait quelques maisons, on va voir. Ok, c'était la maison d'Épicure. Il me semble que la maison d'Épicure, elle n'est pas comme ça d'extérieur, j'ai un doute. Elle a cette forme-là, mais est-ce qu'elle a réellement cette couleur? Il me semble qu'elle est plutôt noire, si je dis pas de bêtises, et orange. Je sais pas si je me trompe ou pas, je me souviens plus très bien, mais il me semble qu'elle est foncée, sa maison à Épicure. N'hésitez pas à me dire, j'ai l'impression que les extérieurs de maisons ont été personnalisés des habitants, mais pas les intérieurs. Bref, on continue la visite vers l'arrière du coup de l'île, le fond de l'île. Ok, je pense qu'on peut pas y accéder ici. Est-ce que en haut... Non, en haut, on n'est peut-être pas encore monté, j'ai un doute. Est-ce qu'on monte par ici? Ah, on monte pas par là. Je pense qu'on peut pas monter tout court. On peut pas monter. Ouais. Mais ici, on est déjà passé. Donc, on va continuer. Eh bien... Oh, regardez, j'aime trop. Ça rend trop bien, la petite carotte, la posée comme ça. Ouais, je pense qu'à mon avis, les extérieurs des maisons ont peut-être été personnalisés et pas les intérieurs. Bref, je sais pas si j'ai pas dit le contraire. Bon, on s'en fiche, vous m'avez compris. On va redescendre juste par là. J'aime beaucoup trop hein, les petits coins. Franchement, ils sont trop mignons. Il y a vraiment énormément de plein de petits coins. Oh, sold out. Oh, c'est rigolo. Ça veut dire que là, il n'y a plus. Je sais pas ce qu'il y avait, mais en tout cas, il n'y a plus. Il y a des tomates et des pommes de terre. Super joli. Très joli trompe-l'œil. Hein. Ici, on a un petit potager avec des légumes. C'est trop cute de ouf. Très naturel comme île et franchement, je crois que c'était pas mes thèmes, bon c'est pas mon thème préféré, hein, mais j'aime bien de plus en plus hein, les thèmes naturels, vraiment, j'aime énormément. Ici, on va pas pouvoir aller plus loin, c'est condamné parce que là je peux pas, si je vais peut-être pouvoir sauter juste sur les, ah je peux peut-être, non, non, on peut pas, ah si peut-être par ici. Ah yes, waouh, un petit coin pique-nique très cute, juste ici. Oh, ça rend bien. Oh, ça rend hyper bien. Attendez, je me pose là pour vous montrer. En fait, entre les arbres, il y a l'espèce de tour, je ne sais plus comment ça s'appelle, qu'on peut acheter en miles dans le Nookstop. Et ça rend super bien. On croirait qu'il y a derrière les arbres peut-être un petit château. C'est trop mignon. C'est très joli. Waouh, je sens que l'accès à la plage de Runar va me plaire. Ouais, je pense que ça va grave me plaire. On va tout de suite redescendre juste par ici et on va aller vérifier ça. Mais pff, c'est sûr, quasiment à 200% que je vais adorer. Est-ce qu'on passerait pas par là? Ouais, je crois que je vais être bloquée là, non? Ah non, je peux... Non, je... Ouais, ça va être compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... On va redescendre. Je pense qu'il faut redescendre. Ah non, pas du tout. Carrément pas. Je suis totalement paumée, je raconte que des bêtises. Bref, ici on a un petit coin très mignon encore une fois. Et on va prendre le petit pont. Et on va tout de suite... Waouh, j'aime bien ce petit chemin là, comme ça, qui mène à la plage de Runar avec des petits gyroïdes. C'est genre trop le style de déco que je pourrais faire et que j'ai un petit peu fait sur Maeve. Et on arrive tout de suite à la plage de Runar. Très mignon. Vraiment très mignon, donc j'avais plutôt raison. Ça fait assez féerique, ça fait même très féerique. Ouais, en plus une île de lapins, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, ouais, ça fait quand même hyper féerique. Et ces petits chemins avec des fleurs, des schistostégas, un peu de mauvaises herbes, les petits lapinous et tout ça, franchement très joli. La petite paire de bottes sur la goutte d'eau là, franchement sur la petite flaque d'eau, très mignon. Ça c'est un truc que j'ai pas fait et que c'est Sybille qui avait fait ça sur son île Kid Core, et franchement en vrai c'est super mignon, c'est très joli. Le petit pont juste ici et on arrive ici chez un autre habitant avec, ah là là, un petit champ de carottes. Mais est-ce que ce serait pas parfait? Oh, regardez le motif trop cute avec le couple de petits lapinous là, trop mignon. Trop mignon. Ici, super joli. J'adore les couronnes schistostega qui ont été posées devant chaque sur chaque porte des maisons des habitants. C'est très cute. Et c'est vrai que cette couronne est vraiment très jolie. Je sais pas si elle vous plaît, mais en tout cas, moi, je la trouve très belle. Ok, ici, on a un petit pont. Si on passe par ici, on arrive encore dans un petit coin. Waouh! Oh, salut Alix! Comment ça va? Il est trop cute. Il est trop mignon ce motif aussi, là. Attention, on prend le chemin ici.
Waouh, il y a comme une espèce de... Oh, regardez, c'est des girouilles qui sont en train de pique-niquer. Mais c'est trop mimi. Oh, ah là là, ouais, c'est super mignon. On ne peut pas passer plus loin parce qu'il y a... Il y a un lit en paille là. Il y a un lit en paille, donc on va pas pouvoir passer. Ok, en tout cas, ce petit chemin secret un peu est trop mignon. Attendez, mais c'est quoi qui est en bas là-bas? Ah, il y a une paire de bottes. Ah là là, c'est très joli. Il y a des espèces de îlots. C'est super joli encore. Hein. Bon, évidemment, j'arrête pas de dire que c'est super beau, mais c'est vrai, l'île est super mignonne. Je m'attendais pas du tout. Je savais que ça allait être plutôt une île de lapins, mais je m'attendais pas vraiment à ça. Et franchement. Et eh ben pas déçu de cette visite, hein. Super jolie. Hop, et si on se posait ici pour voir un peu la vue, waouh, oh, très 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 mignon. Je pense qu'à mon avis, on n'est pas très loin, on est déjà passé ici. C'était où il y avait le camion de glace, le marchand de glace. Ici, on est sur la plage d'en face, pareil, bon, super cute. Oh, ouais, hé, recoucou toi dis donc. Mais my god, elle a fait tout le tour de l'île aussi vite. Ici, on arrive eh bien, sur le ponton, très mignon aussi, en mode marchand de glace. Et on a toute la plage comme ça qui a été décorée, qui est très jolie, qui est un petit peu... En vrai, bon, toute l'île est sur le même thème. Ah, ça a manqué de machine à bulles. Moi, je suis très fan, vous le savez, de machine à bulles. J'en mets partout. Ouais, clairement, j'en mets absolument partout. Et franchement, c'est très cute. C'est trop, trop cute. Ouais, vraiment, trop jolie. Et cette plage est sublimement décorée avec les... Ah là là, ça rend bien les stands, là. Ça rend très très bien. Mais qu'est-ce qu'elle a mis derrière les stands? Attendez, qu'est-ce que... Ah oui, d'accord, c'est des espèces de rideaux comme ça. Ok. Super joli, ça rend très très bien. Ça rend vraiment bien, ça apporte de la profondeur. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça apporte grave de la profondeur. Eh bien, au stand, c'est top. C'est ultra canon. Et ici, c'est un stand, évidemment, tu peux acheter un bubble tea si tu as envie de te boire un petit bubble tea. Et on arrive tout au fond. Et ici, waouh, c'est super joli. Oh là là, je saurais pas du tout choisir un coin que je préfère sur l'île parce que en vrai, je trouve tous les coins hyper cute, très mignons. Enfin, voilà, vraiment super joli. Ouais, je saurais pas choisir un coin. Est-ce que vous avez un coin préféré, vous? En tout cas, moi, pour l'instant, j'aime bien toute l'île. Je la trouve toute mignonne. J'avais pas encore visité d'île avec des lapinous. Et franchement, oh là là, cet extérieur de maison est trop joli. Je pense qu'à mon avis, c'est sûr, ça a été personnalisé, non? Ah là là, n'hésitez pas à me dire, hein. Peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que je me trompe totalement, hein. Bref, allez, on continue. Coucou Alix! En vrai, il était déjà là tout à l'heure. Il était déjà là. Bon, alors du coup, alors voyons voir. Ici, on a encore une maison d'un habitant. Ok, encore très mignon. Bon, le thème d'île, enfin, le thème de l'île, évidemment, a été extrêmement bien respecté. Et c'est vraiment partout pareil. Alors attendez. Je suis perdue, je sais pas si... Ah oui, si on est tout à fait tout en haut. Par contre, j'arrive pas à... Oh, elle est là! Ah là là, c'est Infinity! Je trouve que son pseudo est trop mignon. Ah, j'allais dire, attends, comment je fais pour passer là? Et bien, tout simplement comme ça. Ok, sa maison est là. Et il me semble avoir lu qu'il y a des pièces de sa maison qui ont été décorées. Peut-être que juste la pièce principale ou j'en sais rien. Et bien, vous savez quoi? Pour commencer, quand même... On va lui parler. You're some bunny spécial. Ah, oh, je suis un lapin spécial. Je crois que ça veut dire ça. Et ben c'est cool. C'est cool. Et ben c'est parti. Waouh. Donc voilà, il y a eu la pièce principale de décorer et je pense peut-être la pièce au-dessus et en dessous et tout le reste ça a été condamné. Je le redis, c'est une super bonne idée pour tous ceux là qui n'ont pas le temps ou voilà qui n'ont pas d'idée aussi. Hein. Ça arrive hein, de pas avoir d'inspiration pour toutes les pièces. En tout cas, c'est très 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 mignon cette petite pièce là, très 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 cute, très naturelle avec ce thème. Toujours un peu beige, brun. En vrai, le mur, il a été super bien choisi. Et le sol aussi, ça rend très très bien. À la base, ça, c'est un mur qui est pas super clean, qui fait un peu cracra. Mais franchement, eh ben, vous savez quoi? Ça rend très très bien sur ce thème d'île. Pour que ça fasse un peu naturel et tout. Franchement, super cute. Waouh! Oh, très... très très joli. Ah là là, oh, le mariage des couleurs rend super bien. Et ce sol, oh, ce sol franchement,
Avec ce mur, j'aurais jamais pensé associer les deux. Et ben vous savez quoi? C'est super cute et j'adore le fait d'avoir fait la salle de bain comme ça là. Petite pièce de salle de bain. Attendez, hop, voilà, regardez-moi ça. Comme c'est trop mignon. C'est super joli. J'ai juste envie de faire pipi là, si ça te dérange pas, je m'assois 2 petites minutes et puis je fais un petit pipi. Voilà, merci. J'ai emprunté les toilettes et tout de suite, eh bien, on va aller découvrir la dernière pièce de la maison. Oh! Oh! Pareil, super joli. Très, très, très joli. Sublime. Vraiment, j'adore. Oh, rien à dire. Et alors, les carrés de céréales derrière, franchement, j'adore. Je trouve que ça rend trop bien. Ça rend vraiment trop. Des fois, il y a des petites idées comme ça. Et franchement, j'aurais jamais pensé à mettre des petits carrés de céréales comme ça. Et ben, c'est grave cool. C'est vraiment, vraiment grave cool. Super jolie. Cette maison avec que 3 pièces de décorer, mais franchement, parfait. Bon, ma petite Infinity, franchement, chez toi, c'est super joli. On va continuer. Évidemment, on poursuit la visite. Je sais pas si on peut passer par là. Ah, si, on peut passer par ici. Mais à mon avis, on va pas peut-être. Ah, si. Ah là là, trop bien. Je trouve ça génial de pouvoir sauter d'îlot en îlot et pour pouvoir. Non, je pense qu'à mon avis, là, j'ai été. Ouais, j'ai été trop loin. Mais c'est pas grave, on va pouvoir. Ah non, ne me dites pas que. Ah non, j'ai eu peur. Je me suis dit, oh, non, 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 non. En plus, quand je suis coincée, je stresse de ouf. Et c'est encore pire parce que normalement, il faut faire un tout petit geste avec les Joy-Con ou la manette. Et en vrai, tu te débloques assez facilement. Mais il faut juste pas stresser et pas s'exciter sur la manette ou le Joy-Con, évidemment. Pour se débloquer facilement. Et puis comme ben, je fais pas du tout ça, ça dure 100 ans. Ça dure 100 ans de ouf. Est-ce qu'on peut repasser par là? Ah ouais, on peut passer par le dessous comme ça. Bon, je sais vraiment pas quoi choisir comme endroit de l'île que j'aime le plus. Franchement, j'ai trouvé l'île, toute l'île, super mignonne. Et vraiment, je suis contente parce que j'ai ouais, jamais visité d'île avec que des lapins et c'est trop mimi de ouf. Et surtout le thème que j'aime énormément. Je pense qu'à mon avis, je suis passée par ici, mais c'est pas du tout le bon chemin. Ouais, non, c'est absolument pas du tout le bon chemin. Et du coup, eh ben, on va trouver un petit spot là. Je sais pas du tout où on va se poser parce qu'en vrai, vraiment, toute l'île est super mignonne. Je sais pas du tout quel coin choisir là pour une fois. Ça m'arrive pas souvent. En général, il y a toujours un petit coin que je trouve vraiment genre incroyable, qui dénote un petit peu plus que les autres. Oh, coucou Nadine! Ah là là, trop mignonne. Trop, trop, trop mignonne. Et ben vous savez quoi? On se pose tout simplement. Ah non, attendez! Quand même, on peut se poser là, hein, à l'entrée. Quand même, ouais, on se met à l'entrée. Ah, peut-être au Dodo Airline! Dodo Airline, non, Dodo Airline, c'était de l'autre côté. En vrai, les plages, elles étaient mignonnes. On pourrait se poser sur une des plages. Hein. Attendez, on va quand même se trouver un petit spot. Parce que là, comme ça, finir sur. Comment dire. Finir comme ça sur la place, c'est nul. C'est grave, trop nul. Attends, il n'y a pas un petit banc. Ah, il y a une souche d'arbre. Eh ben, regardez-moi ça. Parfait. Et ben voilà, regardez, on a trouvé notre petit coin sympa pour se poser sur cette fin de vidéo. J'espère en tout cas que cette visite d'île, eh bien, vous a plu. N'hésitez pas, évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, à vous abonner, à mettre un petit like. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur un live. Des bisous les Kibichis!